Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça, super. Enfin, moyen ou les deux. Donc, je ne dis pas ce qui s'est passé. Mais on va passer pour les résultats de la Ligue des Nations. Donc, on attendra après pour le 10 octobre. Donc, on n'est pas encore là. On va laisser d'abord passer le, on va dire, tout le mois de septembre, et après on en parlera. Maintenant, on va passer aux résultats. Lettonie, Andorre, ils ont 0-0. Ilfeore, ils ont gagné 3-2 contre Malte. Allemagne, Espagne, un partout. Bulgarie, Irlande, un partout. Russie a gagné 3-1 contre Serbie. Slovénie, Grèce, 0-0. Turquie a perdu 1-0 contre Hongrie. Finlande a perdu 1-0 contre Pays de Galles. Moldavie, Kosovo, ça fait 1-1. Ukraine a gagné 2-1 contre Suisse. Lituanie a gagné. Qu'est-ce qui m'a fait? A perdu 2-0 contre Kazakhstan. Biélorussie a perdu 2-0 contre l'Albanie. Roumanie, Irlande du Nord, ils ont fait 1 partout. Pays-Bas a gagné 1-0 contre Pologne. Norvège a perdu 2-1 contre Autriche. Italie-Bosnie, ça fait 1 partout. Écosse-Israël, 1 partout. Slovaquie a perdu 3-1 contre République tchèque. Macédoine a gagné 2-1 contre Arménie. Gibraltar a gagné 1-0 contre Saint-Marin. Islande a perdu 1-0 contre l'Angleterre. Azerbaïdjan a perdu 2-1 contre Luxembourg. Chypre a perdu 2-0 contre Monténégro. Estonie a perdu 1-0 contre Géorgie. Portugal a gagné 4-1 contre la Croatie. Suède a perdu 1-0 contre France. Danemark a perdu 2-0 contre Belgique. Andorre a perdu 1-0 contre Ilfeore. Bulgarie, Pays de Galles a gagné 1-0 contre Bulgarie. Irlande a perdu 1-0 contre Finlande. Slovénie a gagné 1-0 contre Moldavie. Hongrie a perdu 3-2 contre Russie. Malte, Lettonie 1-1. Kosovo a perdu 2-1 contre Grèce. Suisse-Allemagne 1-1. Serbie-Turquie 0-0. Espagne a gagné 4-0 contre Ukraine. Kazakhstan a perdu 2-1 contre Biélorussie. Israël-Slovaquie 1-1. République tchèque a perdu 2-1 contre Écosse. Irlande du Nord a perdu 5-1 contre Norvège. Bosnie a perdu 2-1 contre Pologne. Autriche a perdu 3-2 contre Roumanie. Pays-Bas a perdu 1-0 contre Italie. Albanie a perdu 1-0 contre Lituanie. Arménie a gagné 2-0 contre Estonie. Géorgie et Macédoine 1-1. Belgique a gagné 5-1 contre Islande. France a gagné 4-2 contre Croatie. Chypre a perdu 1-0 contre Azerbaïdjan. Suède a perdu 2-0 contre Portugal. Luxembourg a perdu 1-0 contre Monténégro. Danemark-Angleterre 0-0. Et Saint-Marin a perdu 2-0 contre Liechtenstein. Nous passons au classement final du groupe Liga Groupe 1. On a l'Italie premier, Pays-Bas deuxième, Pologne en troisième, quatrième Bosnie, Liga Groupe 2, Belgique premier, Angleterre deuxième, Danemark troisième, Islande 4e. Liga groupe 3. Portugal 1er. France 2e. Suède 3e. Croatie 4e. Liga groupe 4. Espagne 1er. Ukraine 2e. L'Allemagne 3e. Suisse 4e. Ligue B groupe 1. Roumanie 1er. Autriche 2e. Norvège 3e. Irlande du Nord 4e. Ligue B, groupe 2.
Écosse, premier. République tchèque, deuxième. Israël, troisième. Slovaquie, quatrième. Ligue B, groupe 3. Russie, premier. Hongrie, deuxième. Turquie, troisième. Serbie, quatrième. Ligue B, groupe 4. Pays de Galles, premier. Finlande, deuxième. Irlande, troisième. Bulgarie, quatrième. Ligue C, groupe 1. Monténégro, premier. Luxembourg, deuxième. Azerbaïdjan, troisième. Chypre, quatrième. Ligue C, groupe 2. Macédoine, premier. Géorgie, deuxième. Arménie, troisième. Estonie, quatrième. Ligue C, groupe 3. Grèce, premier. Slovénie, deuxième. Kosovo, troisième. Moldavie, quatrième. Ligue C, groupe 4. Kazakhstan, premier. Albanie, deuxième. Biélorussie, troisième. Lituanie, quatrième. On finit avec les deux derniers groupes. Groupe des ligues, groupe 1. Ligue des groupes 1. Ilfeore, premier. Lettonie, deuxième. Malte, troisième. Et Andorre, quatrième. Ligue D, groupe 2. Liechtenstein, premier. Gibraltar, deuxième. Et Saint-Marin, troisième. Donc ça, c'est fini. On a fini les résultats et les classements. Donc on se reverra vendredi, bien sûr. Bref, c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui n'y sont pas. Et mettez la cloche de notification, c'est important. Et on se retrouvera vendredi soir. Allez, ciao!